Bonjour à tous et toutes, ici Vigo à votre service. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo d'Assassin's Creed. Non, pardon, excusez-moi. Watch Dog. C'est Watch Dog ou Assassin's Creed? On est bien d'accord, c'est Watch Dog, hein? Bon, bref. Oui, c'est ça. Nous sommes donc sur un nouveau jeu. Nous sommes donc de retour, excusez-moi, sur Watch Dog Légion avec un nouveau DLC, avec la mise à jour du 5.5, avec le crossover Assassin's Creed. Son nouveau personnage Darcy. Après les modes de jeu en ligne, bon voilà. Légion des morts sur console, c'est un peu contre des zombies. Et nouveau difficulté, résistance. Encore plus dur. Enfin bref. Nous sommes ici pour une nouvelle session de vidéo sur Watch Dogs Légion avec comme nouveau héroïne Darcy. On a le mode joueur contre joueur, le mode intrusion, capture de drapeau. C'est moins campagne et en ligne. Ouais, bon. Merci, je décline. Enfin, pour l'instant, je reviendrai sur ma campagne plus tard. Mais apparemment, c'est spécial. Ok, Légion des morts disponible sur console. Donc, en gros, de loi, quel type d'ennemi, cycle jour et brouillard. Bon, bref, je vais pas zapper tout ça. Ah, ils ont même changé. Les amis, ça c'est contre des zombies. Adam Pearce, qui est de retour, qui passe avant les événements du jeu, la version jeu en ligne et la campagne. Du coup, ah, ils ont quand même changé, hein. C'est bizarre. Donc, comme je vous ai dit, nous allons donc continuer la partie. Cette fois-ci, nous allons incarner Darcy qui va affronter des Templiers. Il y a eu un trailer qui a été annoncé récemment et nous devons empêcher des Templiers de pénétrer dans un sanctuaire des assassins où reposerait, enfin, où reposerait peut-être la tombe des frères Fry, Jacob et Evie, qu'on a vu dans Assassin's Creed Syndicate, et Edward Kenway. Pirate anglais d'Assassin's Creed Black Flag. Ce sont les trois assassins anglais les plus connus de ce pays. Mais avant toute chose, je vais quand même vérifier un petit truc avant de continuer la partie. Donc, je vous coupe la vidéo et on se retrouve juste après. À tout de suite. Donc, bref, c'était pour vérifier s'il fallait que je télécharge un truc, mais apparemment, il se trouve dans la quête. Principal et je viens juste de vérifier un autre truc dont ce sera résumé en deux missions principales et deux secondaires autour de l'assassin. Comme je n'ai absolument pas vu ce qui se passe, peut-être ce sera différent, mais bon, ce sera pas dans Bloodline, ce sera dans la quête principale. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc, faudrait peut-être que je fasse le ménage aussi dans mon escouade en supprimant encore un autre agent pour récupérer Darcy. Voilà. Faut que je fasse ça. Et après, on pourra l'engager. Donc, en attendant son chargement, j'espère qu'il va pas cracher, sinon ce serait un peu bête. En attendant, je suis en train de faire Assassin's Creed, DLC, le siège de Paris, plus Watch de Légion avec Assassin's Creed et bien entendu Overwatch. Et comme je vous ai dit, vers octobre, début octobre, il y aura deux jeux qui vont faire leur apparition dans la chaîne en attendant l'arrivée d'un nouveau qui sera fin janvier de l'année prochaine. Si vous avez suivi ma chaîne, vous saurez de quel jeu de quoi je parle. Voilà. Donc pour l'instant, je finis d'abord Assassin's Creed et Watch Dogs. C'est à vous de jouer. Vous êtes prêts? Toujours. Donc oui, comme vous pouvez voir, on peut incarner Wrench et
par Adam Pierce. Par contre, qu'est-ce que je suis censé faire? Tu es en train de... Darcy Clarkson. Ok. Là, ça semble être un autre. Ah bah voilà. Le mode de jeu, le nouveau fonctionnalité que j'attendais. La localisation des agents. Où est-ce qu'ils sont tous? Enfin, ils ont demandé. Enfin. Enfin, nous pouvons choisir l'agent le plus proche pour qu'il puisse commencer sa mission. Enfin. Ubisoft a répondu à ma demande. Enfin. Alléluia. Bref, on va passer. Bon, c'est de là, c'est aux observants. On va passer là-dessus. On va juste attendre que si Bagley va dire quelque chose. Non. Bagley, quelque chose à dire à propos du truc. Ah, il y a un synchronisé, c'est-à-dire. Voilà qui est intéressant. Il y a un nouveau patch optique lié à des points en altitude dans la ville. Je ne suis pas certain que CityOS ait approuvé ceci. Je vous suggère de grimper jusqu'au point en question pour voir ce que ça donne sur nos optiques. Attends, faisons le temps. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir commencer le jeu. Et l'agent plus proche, c'est celui-ci. Changer d'agent. Alors là, j'y vais, hélico presto. Donc voilà. On va commencer la mission tout de suite avec deux missions principales et deux missions secondaires. Et après, on va voir ce que ça donne. Je vais juste vérifier pour l'équipe s'il y a des changements. Indisponible pour le moment. Assoyez hors de Londres. Cool. Arme secrète. Ouais, drone furtif. Sympa ça. Et capacité furtive. Ok. Ça me fait penser. Il va falloir peut-être que je commence à virer un agent pour être tranquille. Tous ceux qui en ont, je crois qu'il y a plus de personnes qui en a 3, qu'il y en a 2, ou un seul. Bon, je vais commencer tout de suite pour m'assurer du truc. On ne touche pas aux membres de KD et tout ça. Je crois que ce sont ceux qui ont 2 qui vont devoir partir. Sauf les premiums, hein, bien sûr. Donc je pense... Après, c'est pas facile, c'est relativement facile. Hein. Mais Marguerite, j'ai peut-être la garder quand même, elles sont pas mal jolies. C'est urgent, il y a plus Théo, Créa Molette. Ah, c'était Teresa qui va partir. Ça, bon, il y a un drone. Peut-être Marie, on va voir. C'est probable que ce soit soit Marie, soit Teresa. Je pense que ce sera Teresa qui va partir hein, pour être tout tranquille. Ça, quand même, génie financier, ça c'est quand même intéressant. Donc, c'est soit Teresa, soit Mary. Alors, je vais voir ça, modifier, renvoyer agent. Merci ton aide. Voilà, comme ça, quand on aura l'occasion, on engagera. Donc, comme je vous ai dit, on va commencer tout de suite. Ah, ça, ok. Donc, on va commencer tout de suite. Et sur ce, je vous laisse. On se retrouve à l'arrivée pour faire mon avis sur l'ajout du DLC. En sachant que je ferai juste la quête principale, hein. Tout ce qui est PvP m'intéresse pas sur Ubisoft. Voilà. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve à l'arrivée. Profitez bien de l'ambiance Watch Dogs Légion et Assassin's Creed, quand même. Et voilà, j'ai tout dit. Bon bah sur ce, à toutes!
peu. Enfin quelqu'un qui y croit encore. Wow! Detsec est carrément au point. Ce nouveau mécanisme, enfin, ce nouveau patch semble être une réussite. Regardez ce que vous avez déverrouillé. Ceci est un message pour Darcy. Je t'ai dit de ne pas me suivre, mais je parie que tu as fait le contraire. Les Templiers tiennent la ville. Ils ont des agents partout. Dans les rangs des Sœurs, d'Albion, et même du clan Kelly. Je laisse des infos où je peux pour toi ou un autre membre de la confrérie. On peut les arrêter. Il faut qu'on essaie. Je ne sais pas trop quoi faire de tout ça. Mais s'il s'agit de combattre des connards qu'on a déjà sur notre liste, j'estime que ça vaut le coup de donner suite.
Alors, toujours en un seul morceau, trou du cul? Excusez-moi, mais c'est Bagley, là. Vous vous attendiez à quelqu'un d'autre? Un ami vient de sortir des soins intensifs, en fait. Formidable! Si vous voulez, je lui organise une petite fête de bienvenue pendant que vous réglez une bricole pour la résistance. Darcy, si tu écoutes ça, c'est que les choses n'ont pas tourné comme prévu. Les Templiers ont mis la main sur les artefacts des assassins. Et ils les gardent en lieu sûr. J'ai essayé d'en récupérer certains, mais c'est pas facile. Les boîtiers sont protégés par un verrou d'urgence. Dès qu'une intrusion est détectée, les verrous se déclenchent et il devient impossible de les ouvrir. T'as toujours été plus doué que moi pour l'infiltration. J'espère que tu parviendras à récupérer ces reliques pour la confrérie. Et le boîtier est verrouillé. Mettez les voiles. Thank you.
Bonjour, oui, quelqu'un s'est odieusement déchargé d'une responsabilité et c'est à vous de jouer. Génial. D'après leurs échanges, ils ont désactivé le verrou d'urgence de l'artefact. Vous voulez essayer de vous rattraper? Faut pas s'en prendre à d'être sec, les enfants. Bien loin. Trouvez-la. Drone, lance une recherche. Aucune trace pour l'instant.
Lika, ça fait déjà 2 jours, ça suffit. Je veux pas me griller en te cherchant. Non seulement tu vas finir par te faire tuer, mais tu vas m'entraîner avec toi dans ta chute. On peut pas défier les Templiers, même si on s'unissait tous pour reprendre Londres. Les assassins ne sont pas encore assez forts. Oh, t'as toujours manqué de patience. Arrête de te cacher, t'as compris? Laisse-moi te retrouver. Cet appareil est à nous. Thank you.
Lucas, j'espère que tu trouveras ça. Je suis désolée pour ce qu'on s'est dit le jour de ton départ. Je suis toujours furieuse que tu sois partie pour Londres, en m'obligeant à te courir après. Mais je suis désolée. T'as agi comme un imbécile et je voulais te faire entendre raison. Un assassin ne se précipite pas au-devant du danger. On prend notre temps, tapis dans l'ombre, en attendant le bon moment pour agir. J'aurais dû mieux choisir mes mots, ne pas hurler. Mais tu sais déjà tout ça. C'est censé être des excuses. Pardon. Oh, je t'en prie, rentre à la maison. Cet appareil est à nous. J'ai un petit cadeau pour les Templiers. Ça ne sera pas long. Les unités les plus proches doivent se rendre sur les lieux de la... ...arme. Comme si c'était mort. Dois-je charger ? Le suspect est Oh!
a fait forte impression. Voilà l'envoyé des Templiers. Camarade s'est malheureusement fait embarquer par Albion. À vous de jouer. Pas de problème, je peux m'en occuper. Envoie-moi toutes les infos. Je vais reformater cet ordinateur de Templier. J'en connais que ça va énerver. J'en connais une qui est très fâchée. Juste pour être sûr, c'était le but recherché? Sauver l'ombre des Templiers en réitérant les exploits de nos illustres ancêtres. Mais la situation est pas la même, ok? Ils avaient toute une équipe avec eux, et l'aide d'un autre assassin. Certaines des personnalités les plus brillantes de l'époque étaient leurs alliés, et malgré tout, nos ancêtres ont dû se battre dur. Nous, on a personne. Y a que nous deux. Va pas croire que j'ai décidé de t'aider dans ta quête insensée. Mais tu m'as comprise. Nos ancêtres ont failli périr je ne sais combien de fois. On y laisserait notre peau. Voilà, une ordure qui ne nous ennuiera plus à faire des trucs de Templiers. Passons à la suite.
J'espère que je ne tombe pas mal, mais on aurait besoin de vos compétences. Ok, on est parti. Assassin. Si ma mémoire est bonne, j'ai laissé une chance à ta confrérie, du moins ce qu'il en restait, de quitter Londres. Imagine comme j'étais déçu quand j'ai découvert que non pas un, mais deux assassins n'avaient pas tenu parole. Crois-moi, je suis ici uniquement pour retrouver mon imbécile de frère. Laisse partir Lucas et nous quitterons la ville en oubliant toute cette histoire. Je ne crois pas, non. Tu vois, je ne suis pas aussi gentil que mes amis templiers. Et ton frère a des infos qui m'intéressent. Si tu ne quittes pas la ville avant que j'en ai fini avec lui, eh bien, je te retrouverai. Passe une bonne journée. C'était quoi, ça? Ah, je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. J'ai le détecteur à emmerde qui clignote, et je ne sais pas trop quoi en faire. Nous devrions en discuter à la planque. Qu'est-ce qui se passe? Comment le formuler? Je crois que je suis tombé sur un genre de conflit ancestral. L'enregistrement que vous avez entendu provient d'un drone bizarre qui survole la ville. Les noms des deux groupes qui s'affrontent n'ont rien d'extraordinaire. Assassins et Templiers. Mais je ne trouve rien sur eux en ligne, pas même sur le Dark Web. Alors soit ce sont des fans de GN qui partent en roue libre, soit nous avons affaire à deux groupes dont l'ancienneté et la puissance défient l'imagination. Voyons voir ça. Excellent. Connie nous aide à analyser les données que j'ai récupérées sur le drone. Je suis sûr qu'elle est impatiente de vous faire part de ses trouvailles. Merci, Bugs. Hey, ça va? J'ai cherché des tuyaux sur le nouveau boss des opérations d'Albion. Continue. Il est plutôt clean. À part le fait d'être un putain de mercenaire, je veux dire. Son historique porno, putain! T'as déjà entendu parler de docking? Et je parle pas d'un dock pour téléphone. Non, mais ça va. Pas la peine de se comporter comme un ado attardé non plus. Fais-moi signe si tu trouves un truc pertinent. T'es sûr? C'est trop bien pourtant. Oui, j'écoute. J'ai un peu creusé à partir des indices sur l'enregistrement. Les assassins, les Templiers, ce fameux Lucas, et le drone étrange où on a trouvé l'archive. Les trois premiers ne donnent pas grand-chose. Mais le drone, par contre, c'est du lourd. Comment ça? Il ne provient pas des gros fabricants habituels. Pas de numéro de série, aucune plaque d'identification, rien de ce genre. J'ai trouvé une copie de ces plans, et le design est hallucinant. Et j'ai aussi assez de données GPS pour reconstituer un trajet. Je sais pas ce qui se passe, mais ça rigole pas. Faut que tu remontes la piste. Ouais, d'accord. Vous êtes prête pour une nouvelle mission? Ça tombe bien, je suis de bonne humeur. Votre partenaire a voulu jouer avec le feu et se retrouve désormais derrière les barreaux. Difficile de résister à l'oppresseur lorsqu'on est enfermé, n'est-ce pas? Vous ne vous reverrez pas pendant quelque temps. Petite astuce de pro, pourquoi ne pas recruter un avocat dans votre équipe? D'accord, on n'aime pas trop ces gens-là, mais ils ont leur utilité. Un avocat pourrait réduire la peine de vos agents emprisonnés. Voici le drone. Je dois d'abord créer un pont afin de pouvoir y accéder de façon permanente.
Notre analyse de l'itinéraire du drone suggère qu'il se trouve dans la zone. Fouillez le périmètre. Voici le drone. Je dois d'abord créer un pont afin de pouvoir y accéder de façon permanente. Je n'ai pas pu terminer le pont, mais j'ai pu télécharger une partie de son historique local. Voici la première entrée. N'y va pas, Lucas. Si les Templiers te trouvent à Londres, ils te tueront. On ne sera plus en sécurité. Je m'en tape d'être en sécurité. Nos ancêtres ont eu besoin de personne contre les Templiers. Et moi non plus. Encore les exploits de Jacob et Evie Fry? T'es en boucle avec ça. Darcy, si tu veux pas m'aider à défendre le tombeau, au moins te mets pas en travers de mon chemin. Ne me suis pas, ne tente rien. Salut. Enfin, je trouve des infos en ligne. Jacob et Evie Fry, des assassins jumeaux qui sévissaient à Londres dans les années 1860. Ils ont tué un riche industriel appelé... Crawford Starrick. Bon ben, très bien. Et pour le tombeau alors? Je me demande à quoi ça rime. Fouillez le périmètre. Vous avez trouvé notre copain le drone. On va réessayer de dresser un pont. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, mais j'ai encore grappillé de l'historique. Je t'ai trouvé, espèce d'enfoiré. Je sais que tu retiens mon frère, et je viens le libérer. Tu as intérêt à faire vite. Ça multiplie par deux mes chances de localiser le tombeau avant la fin de la journée. Je t'attacherai sur une chaise à côté de ton frère. Ah, j'ai hâte que tu vois ce que je lui ai fait. Continue comme ça, et je te garantis que ta mort sera douloureuse. Cette conversation a eu lieu il y a quelques minutes à peine. On peut peut-être lui venir en aide avant qu'il ne soit trop tard. Notre analyse de l'itinéraire du drone suggère qu'il se trouve dans la zone. Fouillez le périmètre. Nous y sommes. Un dernier téléchargement et ça devrait être bon. Connexion établie. Allô, il y a quelqu'un? Vous m'avez trouvé. Il était temps. Rester caché tout en me rendant traçable, c'est plus difficile que ça en a l'air. Je suis avec DedSec. On est là pour t'aider. Je m'en doutais. Je connais personne d'autre capable de pirater et de tracer comme vous le faites. Je suppose que vous avez entendu ce qui se passe. Si vous voulez m'aider à sauver mon frère, retrouvez-moi à cette adresse. En face à face. Alors, Darcy, ton frère et toi, vous êtes des assassins. Et il s'est fait enlever par les Templiers. Comment ça a commencé, au juste? Désolée, j'ai pas trop le temps de vous faire un cours d'histoire. Mais en gros, la confrérie des assassins défend la liberté pour tous, et l'ordre des Templiers, c'est le contraire. Cependant, je suis forcée d'admettre que notre confrérie a connu des jours meilleurs. On n'est plus qu'une poignée cachée à l'extérieur de la ville. Quant aux Templiers, ils sont établis pratiquement partout à Londres. Sauf dans le tombeau des assassins. Donc votre groupe a un genou à terre et votre frère s'est dit que la meilleure chose à faire était d'aller chercher des embrouilles à Londres. On se ressemble beaucoup, en fait. Vous êtes prêt pour une nouvelle mission? Tu tombes bien. J'ai perdu une filature. Aurez-vous besoin de renfort? Non, il est loin. On y va.